Du coup, la petite suite qui va bien, j'en ai déjà mis en terre. Et donc, on a un navet, un céleri et deux autres navets. Alors, ce navet-là, je l'ai mis directement dans la terre. À l'inverse du premier que je vous ai montré dans le pot en verre plus tôt. Celui-là, je l'ai pas mis quelques jours dans l'eau. Il est dans le même état. Le céleri, je l'ai mis 5 à 7 jours, et il était quasiment dans cet état-là. Le navet ici n'avait absolument rien, hein. Il n'avait aucune fan, il était jusque-là, et donc en fait, je trouve qu'il a pris vachement bien dans la terre. Ici, on a donc une carotte. D'ailleurs, on n'a que des carottes, sauf ici. On a un navet. Celui-là est un navet. Donc voilà, donc là, c'est un peu... Alors, c'est le bac beaucoup plus frais aussi, hein, c'est-à-dire que lui, il a été fait 4-5 jours après le bac que je vous ai montré juste avant. Ça, c'est un délire, c'est une feuille de géranium que j'ai trouvée entière, qui est tombée d'un des pots que j'ai. C'est une expérience, hein, je pense pas qu'elle donne grand-chose.